vu la deuxième loi de l'offre d'un produit, nous sommes rendus, bien sûr, à la troisième loi. Si le log d'un produit existe, c'est clair que tu pourrais exciter le log d'un quotient. D'où la troisième loi qui s'appelle le log d'un quotient. Ça part ainsi. Le log d'un quotient, ça dit le log à base C, une base quelconque, mais dont l'argument sera un quotient en soi. Donc, si j'ai le log d'un quotient, je peux départager un peu comme c'était le cas tantôt pour le log d'un produit en deux logs. Le log de M en base C et le log de N en base C. Si auparavant, le log d'un produit était redécomposant la somme des logs des arguments séparés, évidemment, le log d'un quotient sera la différence des logs des arguments M et N séparés. Le pourquoi était simple à comprendre. Donc, admettons qu'au départ, les arguments étaient appelés les puissances. Lorsqu'on avait deux puissances qui se divisaient, que les deux puissances qui divisaient avaient les mêmes bases, on pouvait soustraire les deux exposants. C'est la fameuse loi qui traite de M à la A sur M à la B égale M à la A moins B. En mettant des chiffres, peut-être vous allez plus comprendre. Je répète, quand on avait des puissances qui se divisaient, les deux ayant la même base, on pouvait soustraire vos deux exposants, qui sont en fait similaires. Donc, je répète, quand on avait deux puissances qui se divisaient ensemble, les deux ayant la même base, on pouvait soustraire les exposants, comme ici on peut soustraire ces deux logarithmes. Je pense que vous saisissez bien l'essence derrière la troisième loi. Pour vous permettre d'en comprendre encore plus, voici un petit exemple numérique. Mettons que je vous dis le log de 16. Entre nous, le log de 16, là, si on le pitonnait, ben, on aurait 1,20 et des poussières arrondies. Fait que le log de 16, il donne entre nous 1,20. On peut aussi écrire autrement le log de 16 en écrivant log d'un quotient. C'est-à-dire que 16, ben, en quotient, je pourrais l'exprimer ainsi, style 32 sur 2. Évidemment, 32 sur 2, c'est pas à dire 16. Donc, je vais appliquer ma loi du log d'un quotient. Car c'est le cas ici avec le log du quotient 32 sur 2. Donc, le log d'un quotient peut être redécomposé en les logs des arguments séparés et soustraits entre les deux, bien sûr. Fait que le log d'un quotient, c'est la différence entre les logs des arguments séparés. Vous en convaincre, log de 16 donnait 1,20 et c'est pareil à dire également log de 32 moins log de 2. Ceux qui ne me croient pas, pitonnez-moi log 32 moins log 2, vous allez vous apercevoir avec toute petite action plutôt que ça vous donne aussi 1,20. D'où ici, log de quotient, c'est la différence des logs, des arguments séparés. Voilà donc la troisième loi. Avant de voir les lois numéro 4 et 5, j'ai inventé ici 4 vrais ou faux qui vont bien résumer, je trouve, les lois numéro 2 et 3. On va laisser en suspens pour l'instant la loi 1 fondamentale pour mieux s'approprier ensemble les lois numéro 2 et 3. Avant que je parte en peur, chose extrêmement importante, plus souvent qu'autrement, les lois 2 et 3 vont passer de leur membre de droite vers le membre de gauche pour unir ensemble deux logs en un seul log. Deux logs en un seul log. Deux logs qu'on additionne peuvent s'unir en un seul log du produit des arguments. De là qu'on doit soustraire ensemble, peuvent s'unir en un seul log du quotient de vos deux arguments. C'est dans ce sens-là qu'on va déterminer ensemble est-ce que c'est vrai ou faux la loi, c'est-à-dire la phrase 1, pardon. Est-ce que log de 21, vrai ou faux, c'est pas à dire log de 7 fois log de 3? Oui, je sais que 21 provient du produit entre 7 et 3, mais le log d'un produit, c'est pas du tout égal au log de 7 fois produit, donc, avec le log de 3. Log de produit, c'est bien sûr par la loi numéro 2, ben la somme des logs des arguments séparés. Donc, à rebours, si on avait à faire deux logs qu'on additionnerait, oui, on obtiendrait le log du produit de 7 fois 3. Mais ici, au départ, on n'avait pas un plus ni un fois entre les deux, ici log 7 ainsi que log de 3. D'où la réponse en 1, bien sûr, est fausse. Log 12. Est-ce que log 12 est identique à dire log 24 moins log de 2? Dès que vous voyez deux logs, on soustrait ensemble, mais la loi qui en parle est bien sûr la loi numéro 3. De log soustrait, log du quotient des arguments. Est-ce que ici, le quotient entre 24 et 2
donne 12. Et je pense que oui. Fait que cette phrase est telle quelle l'application de la loi 3. Fait que donc vrai pour la raison suivante. La troisième phrase mathématique, elle dit log de 40 en base 2 soustrait le log de 10 en base 2. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? La réponse est 2. De log soustrait, je mets dans le mille, la loi qui en parle est la loi numéro 3. Deux logs soustraits peuvent s'unir ensemble en un seul log, toujours entraînant ma même base 2, du quotient de mes deux arguments. 40 dixièmes, ça écrit 40 sur 10, notre lambda ici 4. Fait que dans le fond, log de 4 en base 2, est-ce que c'est pareil à dire réponse 2? Là, pour le connaître, pour connaître la fois la réponse, pardon, log de 4 en base 2, est-ce que c'est identique à dire 2? Mais pour le savoir, je vais changer mon log en qu'est-ce qu'on maîtrise un petit peu mieux, mais ça réciproque l'exponentielle, c'est-à-dire base à l'exposant égale puissance. Là, la base est clairement la même base que mon log, donc 2. 2 à laquelle exposant, un log est un exposant, donc ce 2 est cet exposant, égale ma puissance qui était anciennement dit comme étant l'argument dans mon log, donc 4, est-ce que 2 à la 2 est 4? Je crois que oui, évidemment oui, d'où la réponse est bien sûr ici vrai. Mais l'important, c'est de log soustrait dans un seul log du quotient de vos arguments 40 dixièmes dans votre ici argument 4. Le restant, je pense que vous savez ça assez bien pour que la réponse est vraie. Et la dernière, et non la moindre, log 20 soustrait avec la somme de log de 5 plus log de 4, est-ce que tout ceci reviendrait à être 0 en bout de ligne? Avant de laisser intact le log de 20, et je vais lire ensemble, ici, dans ma parenthèse, mes deux logs qu'on somme. Deux logs qu'on somme, loi 2. Donc, deux logs qu'on somme peuvent s'unir en un seul log du produit des deux arguments. Fait que deux logs qu'on somme peuvent s'unir ensemble avec le produit des deux arguments 5 et 4, multipliés ensemble, reviendraient à 20. Le moins est toujours devant mon log de 20, dans ma parenthèse, ainsi calculé. Est-ce que log de 20, mon log de 20 est dans le 0? Bien évidemment, la réponse est oui. Donc, log 20, mon log 20, il ne reste plus rien. D'où réponse 0, vrai, pour la chose suivante. Le résumé dans tous ces vrais ou faux, l'essentiel à bien retenir, c'est la chose suivante. Membre de droite vers membre de gauche. Deux logs sommés dans le log du produit des arguments. Deux logs soustraits dans le log du quotient des deux arguments. Toujours de la même base qu'on traîne la base C ici dans ces deux lois. Donc voilà, juste avant de voir les lois 4 et 5, c'est plus fort que moi, il faut que je vous parle d'une chose extrêmement importante pour plus tard, comment qu'on regroupe ensemble plusieurs logs. Plusieurs logs peuvent se regrouper en un seul log. C'est l'exemple suivant qui va vous en témoigner assez bien. Le log de 10 moins le log de 2 peuvent se regrouper de log soustrait en un seul log, mais de quoi? Log 10 moins le log de 2 donnerait le log de quel nombre, autrement dit? Dès que vous allez voir une soustraction, vous allez penser à la loi qui en parle, la loi 3. Si vous voyez plutôt au départ une addition, vous devez penser à la loi qui en parle, la loi 2 ici. Fait que c'est donc dire que ici on parle de la loi numéro 3 car on parle de deux logs qui sont à soustraire. Donc, deux logs soustraits peuvent se regrouper en un seul log du quotient de vos arguments. Donc ici, deux logs soustraits peuvent se regrouper en un seul log du quotient de vos arguments. C'est-à-dire ici, le 10 demi, bien sûr. Dans ce cas-là, log de 10 demi donne clairement le log de 5, d'où la réponse ici de log de 10 moins log de 2, c'est pareil, c'est log de 5. Pythonnez, si ceux qui ne me croient pas, log 10 moins log 2, vous allez avoir une réponse qui sera la même, je vous garantis, que le log de 5 uniquement. Deuxième exemple, mettons, je vous parle de plus que seulement que deux logs à regrouper en un seul log. Donc, j'invente le log de 3 plus le log de 4 moins le log de 2. Donnerait qu'un seul log, mais de quel unique argument? On pile par trio, les regrouper 3 à 3 ensemble en un seul log ou par duo? Vu que c'est seulement que le deuxième exemple, on va aller par duo tranquillement. C'est-à-dire, on va prendre d'abord ce duo à regrouper. Deux logs additionnés ensemble donnent le log, si je vous en parle par la loi numéro 2, du produit des deux arguments. Deux logs additionnés égale au log du produit. C'est-à-dire que deux logs qui sont additionnés peuvent se regrouper en un seul log, mais du produit entre 3 et 4, qui donne clairement 12. À soustraire avec le log que je traîne de 2 ici. Deux logs à soustraire
peuvent se regrouper en un seul log, mais évidemment, par la loi 3 qui en parle, en un log d'un quotient. Tandis que deux logs à soustraire donnent qu'un seul log du quotient entre 12 et 2, 12 divisé par 2, clairement 6. Donc, ma réponse en bout de ligne est un log de 6. Fait que log 3 plus log 4 moins le log de 2, c'est paradis le log de 6. Puis tenez-les pour les voir, faites le membre de gauche avec un chiffre qui m'échappe, là. Mais je vous jure que cette somme différence, c'est paradis le log de 6 uniquement aussi. L'autre moyen de trouver la réponse, c'est pas toujours de regrouper ensemble les premiers. J'en peux aussi regrouper ensemble, mais les deux derniers, ce duo que je vous encadre ici. Donc voici la deuxième méthode. C'est-à-dire, je laisse intact log de 3 pour l'instant. Deux logs que je vais ici soustraire, log 4 moins log de 2, peuvent s'unir en un seul log de, bien sûr, le quotient de vos deux arguments. Donc, loi numéro 3, deux logs à soustraire, donc le log du quotient. Tandis que log de 4 moins log de 2, c'est-à-dire le log de 4 demi. C'est-à-dire, bien sûr, 4 demi étant 2. Là, j'arrive à une somme. Donc, deux logs qu'on additionne par la loi 2, donne qu'un seul log, mais du produit de vos arguments. Donc, le 3 et le 2 multipliés ensemble produit, donc clairement 6. Tout comme tantôt, j'arrive à la même conclusion. Pour les plus rapides, plus tard, vous pourrez aller directement 3 à 3. Comme tout à l'heure, j'ai initié le problème dans le même sens. Exemple, log 3 plus log de 4, log du produit entre 3 et 4, donc log de 12. Log de 12 moins log de 2, log 12 moins log 2, log du quotient de 12 et 2, donc log de 6 en bout de ligne ici. Donc, soit par duo, peu importe lequel je vais prendre, autant que par trio pour arriver au log regroupé. Voilà l'importance de bien appliquer vos lois numéro 2 et 3 qui vous permettent, en terminant, de regrouper ensemble plusieurs logs en un seul log. Voilà, on passe à un autre sous-sujet.